Vas-y, viens là, Allez, rapidement, voilà, j'ai mis les parties de l'air, qui se rendissent toujours le commandement droit, pris par... Pourquoi il a... Allez, allez. Alors, rapidement, avec Chéri Ozouet, qui a un volage à l'habitude ici d'Albanouane, nous, on a un quelques petits soucis, il y a été bien sorti du cristal, rapidement, on retrouve en troisième position, Thomas Guettel. Avec Renaud Bourg, on retrouve aussi la présence de Gilles Rioux en passant à ceux qui vont petit à petit remonter donc de l'œuvre à l'ascent sur la semaine de Sylvie, sociétaire de la formation de Lucet Mongeau.
Si, ça va, ça va. Il va pas où je veux. Allez Lolo. Allez Christophe. Oui. Hello. Allez. Peut-être bien une tête, Jérémy Ozoek. Déjà un petit peu déjà hier aussi en Ifolette, voilà, et derrière toujours la présence de Renaud. On va vérifier tout cela pour le tour du Dinois. Troisième position du Rhin, ce qui peut changer. Hein. C'est vrai que d'ici à l'arrivée finale de cette épreuve, car c'est vrai que pour l'instant les positions acquises avec la présence de ce Dinois, nous passons mieux mentionner. Hein. Pour l'instant, il maintient pour l'instant sa troisième place. On voit que derrière, avec cette position longue à de retard, on va retrouver Thomas Fardeau pour retour aussi, pour l'instant, on va dans les premiers temps, mais pour l'instant, les écarts sont établis entre les quatre premiers actuellement de l'épreuve. Annonce de la formation pour Jérémy, qui sera notamment l'annonce pour tous les participants, qui vient pour l'instant quelques positions actives, mais pas définitif en attendant le final. Quatre tours, Jérémy vient passer maintenant le haut, mon leader, il y a quelques instants, et on attend le jour pour le second tour de la position. La présence d'Alexandre Ducard et pour l'instant Clément Pardeau. Derrière un peu tour, alors qu'il faut toujours le retour, on va retrouver la présence de Thomas Hôtel, avec la formation AGS, Allez, vous êtes là, Eric Michou, un petit tapis aussi, on fait son retour, Jérémy Moutour, le Fulte Trax. On mettait la, aussi, tu mets la main sur le, la roue avant. Qui
Tu sais, l'arbre qui se croche, hein, c'est aussi bien des troncs. Allez, d'accord, chaîne derrière. Allez, je... Allez, Clément. Oui. Allez, mon GG, super. Allez, on a directement, je veux dire, pour l'instant, impérial, car personne ne, pour l'instant, le menace, voilà, de sa supériorité actuelle. Pour d'autres, non. Voilà, c'est vrai que c'est un site qui a été, naturellement, à plusieurs années, naturellement, mieux, naturellement, disposition des sites de profane. D'autres fédérations, naturellement, ce sont les amis à l'honneur ici. Aujourd'hui, bah, nous, on a l'honneur, avec le comité de France ici, d'être présent, avec le comité de Trash Adèque, voilà, pour vous faire des coups. Alors on ouvre, voilà ce qui se passe. Là toujours pour les couleurs de l'USC Rangis, hein, Alexandre Goudard, voilà qu'on reste pour l'instant les positions, c'est derrière, voilà. Thomas Fardeau. Ils sont derrière purement Fardeau, on va voir Thomas Boitel, qui va suivre, voilà, c'est un petit peu les compositions. Et voilà, sont acquises depuis maintenant quelques tours, trois tours du final. Derrière, on devrait retrouver Yann Maréchal, le deuxième homme de Tichas-Dest, il triplerait là, et le Sylvain. Cette position, la position qui ne change pas pour l'instant. C'est surtout, voilà, la quatrième place qui est en train d'un petit peu de venir. Il y a un retour de Thomas Boitel, voilà, qui est pour l'instant quatrième de Montardeau. Le
Il est plutôt là, mais il est plutôt dans une position actuellement entre le Sea Robin. Allez, Juju. Yes. On assiste à la victoire, nouvelle victoire. Il y en a qui ne veulent pas se faire voilà, passer. Voilà, Chanier, voilà, voilà qui s'offre un deuxième bouquet du week-end. Non, non, monsieur Maxime Bonneau. Allez, c'est bien, allez. Seul pour le corps de Zizimoa, c'était Renaud. C'est bien, Renaud, bravo. C'est bien. On va mettre des lunettes. Voilà, c'est fait.